les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi gym. La maxi gym. Regarde Mickey. Oh bah ça alors. Oh, bien tenté Dingo. Bonjour Mickey. Bonjour Tourniquet. Alors qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh, on dirait que Pluto est triste. Sa balle préférée est coincée dans un arbre. Peut-être qu'un peu de maxi-gym ferait le plus grand bien à Pluto. En avant! Allez, en avant! T'en fais pas Pluto, on va t'aider à récupérer ta balle. Et ça va être très très facile. Ça risque de ne pas être si facile que ça. Hein? Tu as vu tous ces objets sur le chemin? Heureusement, je connais un exercice de maxi-gym pour récupérer la balle. Tout ce que nous avons à faire, c'est bondir, marcher à quatre pattes et sauter bien haut. Faites de la place autour de vous. Génial! D'abord, bondissons par-dessus les cubes. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et stop, stop, stop. Marchons à quatre pattes sous le parapluie. D'accord. Fais comme le petit chat et marche comme ça. Sautons encore plus haut. Sautons haut, touchons le ciel. Oui, encore. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et stop, stop, stop. Fais comme le petit chat et marche comme ça. Sautons haut, touchons le ciel. Encore une fois. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et stop, stop, stop. Fais comme le petit chat et marche comme ça. Pour avoir la balle, tu dois sauter, toucher le ciel. Oh, bravo Pluto, tu as réussi. Et bravo à vous aussi les maxi-gymnastes. Vous avez bondi, marché à quatre pattes et sauté bien haut. Et ça a permis à Pluto de récupérer sa balle. On a réussi. Merci d'avoir fait cette maxi-gym. Vous avez été vraiment sublime. Maxi-gym. À la prochaine. En avant les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Bonjour Mickey. Non, bonjour Tourniquet. Qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh non, je ne rêve pas du tout. On dirait que Donald le cow-boy a un peu de mal à monter sur son cheval. Je pense qu'un peu de maxi-gym lui ferait beaucoup de bien. En avant! Allez, en avant! Bonjour Donald, on dirait que tu as du mal à monter sur ton cheval. Bonjour les garçons, je connais un exercice de maxi-gym qui peut apprendre à Donald à sauter. Ça s'appelle le saut à la corde. En avant, les amis! Montrons à Donald comment on saute à la corde pour lui apprendre à sauter plus haut! Avant tout, vérifiez bien que vous avez assez de place autour de vous! Alors, vous êtes prêts à sauter? Wahou! Prends ta corde, fais-la tourner! Tu fais comme nous? Oui, je sais! Sauter à la corde, c'est très facile! Et plus tu sauteras, plus tu seras habile! Compte! sur ton cheval comme tout à l'heure. Oh, nous sommes ravis d'avoir pu t'aider. Tout cet entraînement au saut à la corde t'a permis de sauter très très haut. Merci beaucoup. Et surtout, merci à vous les enfants. Vous êtes votre monde. On a réussi. Merci d'avoir fait cette maxi-gym. Vous avez été vraiment sublime. Maxi-gym. À la prochaine. Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Bonjour Mickey. Bonjour Tourniquet. Alors, qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh là là, Clarabelle doit travailler son lancer de muffin. Et je connais un exercice de maxi-gym qui est fait pour ça. En avant. Allez, en avant. Oh, bonjour Clarabelle. Oh, Mickey, j'ai passé la matinée à lancer des bingo muffins et je n'ai pas réussi à en faire tenir un seul sur mes étagères. J'ai un exercice de maxi-gym qui peut t'aider à améliorer ton lancer. Allez, suis-moi. Oh, du tir au sac de haricots, j'adore. À vous de jouer, mademoiselle. Faites une partie. Voici le but, jeter un sac de haricots dans chacun des trous. 3 coups dans le mille égale un prix sublime. C'est ça l'avantage quand on fait de la maxi-gym. En avant, les amis. Montrons à Clarabelle comment lancer un sac de haricots dans un trou. Prends ce sac de haricots. Applique-toi bien comme il faut. Lève ton bras, mais pas trop. Tu es prêt? Vas-y et bingo! En avant, recommençons. Et cette fois, tu lances le sac de haricots avec nous, Clarabelle. Prends ce sac de haricots. Applique-toi bien comme il faut. Lève ton bras, mais pas trop. Tu es prêt? Vas-y et bingo! Oh, oh, ça marche! Prends ce sac de haricots. Applique-toi bien comme il faut. Lève ton bras, mais pas trop. Tu es prêt? Vas-y et bingo! Très beau lancer de sac de haricots, Clarabelle. Et si tu réessayais de lancer tes bingo muffins au bingo marché? Oh, excellente idée! Attention! À vos marques, prêts et partez! Merveilleux! J'ai réussi! Bravo! Beau lancer de muffins, Clarabelle! Merci, Mickey! Et surtout, merci à vous, les enfants! On a réussi! Merci d'avoir fait cette maxi-gym! Vous avez été vraiment sublime! Maxi-gym! À la prochaine! Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Bonjour Mickey. Bonjour Tourniquet. Alors, qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh, Pluto, tu dois marcher à la même cadence que moi. Comme ça, nous pourrons faire un défilé. Oh. Minnie a un problème avec son défilé. Je pense qu'une séance de maxi-gym pourrait l'aider. En avant! Allez, en avant! Oh, bonjour, Mickey. Je voudrais vraiment que nous défilions, mais Pluto n'arrive pas à marcher en cadence avec moi. Je connais l'exercice de maxi-gym idéal. Ça s'appelle « Suis la souris ». Allez, tout le monde se lève, les amis. Prêts? Et en avant! Suis la souris! Oui, c'est moi! En avant, 1, 2, 3! En avant, 1, 2, 3! Continue à marcher comme maintenant. D'accord, Mickey. En avant. Allez, nous allons tous suivre la souris. Suis la souris. Oui, c'est moi. Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Attends-moi, Mickey. Oh, bah ça alors. Bonjour, Mickey. Oh, Tourniquet, qui a besoin de nous aujourd'hui? Oui, voyons ça. On dirait que Donald a besoin de nous. Un peu de maxi-gym lui ferait du bien. En avant. Allez, en avant. Rassure-toi, Donald, on va pouvoir t'aider en te faisant faire un peu de maxi-gym. En avant, les amis, nous allons faire de la maxi-gym en balançant nos deux bras comme la trompe d'un éléphant. Oui, tout à fait. Allez, les enfants, levons-nous et montrons ça à Donald. Vérifiez d'abord qu'il y a assez de place autour de vous. Vous êtes prêts? Faites semblant d'avoir une trompe d'éléphant. Bon, et maintenant, placez vos bras devant vous et... Oui, balance ton club par là. Oui, balance, tu as compris, c'est ça. Encore une fois. Oui, balance ton club par là. Oui, balance, tu as compris, c'est ça. Faisons comme si nous avions un club de golf et frappons. Je peux le faire. Oui, balance ton club par là. Oui, balance, c'est bien comme ça. Maintenant, arrête. Ah, chouette, c'était super. En avant les maxi-gymnastes, jouez au golf avec Donald. Balancez, balancez, balancez. Vous avez réussi, vous aussi. Bravo. Merci, Mickey. Merci, Cato. Ah, surtout, merci à vous, les chauffeurs. On a réussi. Merci d'avoir fait cette maxi-gym. Vous avez été vraiment sublime. Maxi-gym. À la prochaine. En avant, les amis. Tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Bonjour, Mickey. Bonjour, Tourniquet. Qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Dingo, attention! Vas-y! Une petite séance de maxi-gym pourrait aider Dingo à mieux jouer au football. Allez, en avant! Oh, j'aime bien jouer au football, seulement mes grands pieds ne font pas du tout ce que je leur ordonne de faire. Je pense qu'un exercice de maxi-gym pourrait te servir. Et je sais exactement ce que nous devons faire. Tu glisses par-ci. Tu glisses par-là. Hop, 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 devant, oui, comme ça. Et remue, remue, remue. Mais prends ton temps. Regarde pas. Et... Ça alors, c'est amusant. Venez tous, les amis. Venez faire la maxi-gym avec Dingo. Oh oui. Tu glisses par-ci. Tu glisses par-là. Hop, un pas devant, oui, comme ça. Et remue, remue, remue. Mais prends ton temps. Regarde devant et bon. Alors, Dingo, maintenant que tu as fait ta maxi-gym, si tu essayais de rejouer au football? Ah oui, d'accord. Tu glisses par-ci. Tu glisses par-là. Hop, un pas devant, oui, comme ça. Et remue, remue, remue. Mais prends ton temps, regarde devant et pan. Ouais, j'ai réussi. Chantons encore une fois. Tu glisses par-ci, tu glisses par-là. Hop, un pas devant, oui, comme ça. Et remue, remue, remue. Mais prends ton temps, regarde devant et pan. Oh, wow. J'ai encore réussi. Je suis ravi que notre séance de maxi-gym t'ait aidé à mieux jouer au football. Merci beaucoup, Mickey. Merci, Minnie. Et surtout, merci à vous, les enfants. On a réussi. Merci d'avoir fait cette maxi-gym. Vous avez été vraiment sublime. Maxi-gym. À la prochaine. Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Je suis partant. Ça va, j'ai rien. Bonjour Mickey. Bonjour Tourniquet, qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh non! Minnie n'a pas l'air d'avoir le moral. Allons voir si une séance de maxi-gym lui ferait du bien. En avant! Allez, en avant! Bonjour Minnie. Bonjour les garçons. Je m'apprêtais à aller jouer dehors, mais j'ai comme l'impression qu'il va pleuvoir. Peut-être qu'une séance de maxi-gym pourrait te distraire. Je connais un exercice de maxi-gym tout à fait étudié pour être fait à l'intérieur. Et il s'appelle Mickey dit. Quand je commence une phrase par Mickey dit, vous devrez faire tout ce que je vous demande de faire. Donc si je vous dis Mickey dit, sautez, vous sautez. Mais si je vous dis seulement sautez, ne sautez pas. En avant les amis, faisons une partie de Mickey dit. Vérifiez qu'il y a de la place autour de vous. Levez-vous! Vous êtes prêts? Mickey dit, lève-toi et saute! Mickey dit, maintenant stop! Mickey dit, glisse et touche tes pieds! Mickey dit, oui, encore une fois! On y va! Mickey dit, glisse et touche tes pieds! Maintenant, saute et touche ton nez. Oups. On s'est trompé, Mickey. T'as pas dit, Mickey dit, saute et touche ton nez. Essayons encore une fois. Mickey dit, lève-toi et saute. Mickey dit, maintenant, stop. Mickey dit, glisse et touche tes pieds. Mickey dit, lève-toi et touche ton nez. Oh, maintenant, nous pouvons sauter et toucher notre nez. Mickey dit, lève les bras. Mickey dit au revoir. Au revoir. Cet exercice de maxigine d'intérieur est très amusant. Merci les garçons et merci à vous les enfants. On a réussi. Merci d'avoir fait cette maxigine. Vous avez été vraiment sublime. Maxigine. À la prochaine. Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Bonjour Mickey. Bonjour Tourniquet. Alors qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh, j'arrive pas à faire éclater les bulles. Je crois qu'une séance de maxi-gym ferait du bien à Dingo. En avant! Allez, en avant! Bonjour, Dingo. Tu as un petit problème avec tes bulles? Ben oui, je voulais jouer à les faire éclater, mais je saute pas assez haut et j'arrive pas à en toucher une seule. Je connais un exercice de maxi-gym qui est fait pour toi, Dingo. Le saut de Dingo. D'abord, on saute en claquant des mains vers le haut. Ensuite, on baisse les bras et on ramène nos deux pieds côte à côte. Comme ça. En avant, les amis, montrons à Dingo comment on fait le saut de Dingo. Vérifiez qu'il y a de la place autour de vous. Oui, sautez, tous mes amis. Sautez encore plus haut. Continuez à sauter, c'est vraiment rigolo. Faire des petits sauts, c'est très bon pour la santé. On peut sauter tous les jours de l'année. Saute, et puis re-saute. Saute. Et maintenant, faisons éclater les bulles pendant que nous faisons le saut de Dingo. Les bulles de savon me font rire, hé hé ha ha, oh! Les bulles de savon, c'est drôle, c'est très rigolo. Plop, plopidi, plop. Et puis stop. Alors tu es prêt à faire du saut de Dingo pour faire éclater les bulles de savon? Oui, je crois que oui. Alors faisons tous comme Dingo. Allez, en avant. Sautez tous mes amis, sautez encore plus haut, continuez à sauter, c'est vraiment rigolo. Faire des petits sauts, c'est très bon pour la santé. On peut sauter tous les jours de l'année. Saute, et puis ressaute. Saute! Maintenant, je vais essayer de percer des bulles de savon. Essayez aussi. Les bulles de savon me font rire. Hey, hey, ha, ha, ho! Les bulles de savon, c'est drôle, c'est très rigolo. Plop, plop, idi, plop. Puis stop. J'ai percé toutes mes bulles. J'ai réussi. Merci, Mickey. Et à vous de m'avoir appris à faire le saut de Dingo. On a réussi. Merci d'avoir fait cette maxi-gym. Vous avez été vraiment sublime. Maxi-gym. À la prochaine. Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la maxi-gym. La maxi-gym. Bonjour Mickey. Bonjour Tourniquet. Alors qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Figaro. Oh Figaro. Oh non. Minnie est à la recherche de son chat. Peut-être qu'une séance de maxi-gym pourrait l'aider. En avant! Allez, en avant! Bonjour, Minnie! Bonjour, Mickey. J'ai cherché Figaro absolument partout, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est essayer de penser comme un chat. Comme ça, tu pourras deviner où est Figaro. Et j'ai justement l'exercice de maxi-gym qu'il te faut. Nous allons faire le chat. En avant, les amis! Vérifiez qu'il y a assez de place autour de vous. Là, c'est bien. Bon, pour commencer, mettons-nous à quatre pattes. Et pour faire semblant d'être un chat, vous allez faire le dos rond. Dos rond, dos rond, dos rond. Voilà, c'est bien. Et maintenant, nous allons marcher à quatre pattes. a quatre pattes, marche comme un chat. Oh, c'est drôle de marcher comme ça. Continue à marcher. D'accord. Regarde par là, oh. Puis fais un son comme un chat. Et miaou. Encore une fois. À quatre pattes, marche comme un chat. Oh, c'est drôle de marcher comme ça. Continue à marcher. D'accord. Regarde par là. Ouh. Puis fais un son comme un chat. Et miaou. Est-ce que tu penses comme un chat? Oui, bien sûr. Et je sais que Figaro pense surtout à dormir. Je parie que si on cherche un endroit bien chaud pour dormir, on trouvera Figaro. Allons-y. Viens, suis-moi. Je suis un chat qui cherche son lit. Un endroit tranquille et sans bruit. Regardons bien. Ouvrons l'œil. Cherche un endroit sans avoir aidé à trouver Figaro grâce à la Maxi Gym, ou devrais-je dire la Miaou Gym. Et merci à vous les enfants. On a réussi. Merci d'avoir fait cette Maxi Gym. Vous avez été vraiment sublime. Maxi Gym. À la prochaine. Les amis, tous en forme avec Mickey. Venez, on va s'amuser et se remettre tous en forme avec Mickey. Avec moi, pas besoin de régime. On se sent mieux quand on fait la Maxi Gym. La Maxi Gym. Je suis partant, Mickey. Bonjour, Mickey. Bonjour, Tourniquet. Qui a besoin de nous aujourd'hui? Voyons ça. Oh là, Pat a besoin de nous. Je crois qu'un peu de Maxi Gym lui ferait du bien. En avant! Allez, en avant! Quel est ton problème, Pat? J'essaie par tous les moyens d'arroser mes pétunias préférés, mais je suis tellement raide que j'ai du mal à bouger. Ce qu'il te faut, Pat, c'est faire un peu de Maxi Gym, en commençant par des étirements. Moi, j'ai une méthode très amusante pour faire des étirements. Tout ce qu'il faut, c'est un arrosoir. En avant, les enfants, tous avec moi. On va montrer à Pat comment on fait. Je suis un arrosoir, voyez tous. J'arrose mes fleurs pour qu'elles poussent. Tenez-moi comme ça, l'eau sort par en haut. Quand il faut arroser, faites comme il faut. Penchez-vous comme ça, laissez couler l'eau. C'est super. Penchez-vous comme ça, laissez couler l'eau. Voilà un bon exercice de Maxi Gym, Dingo. Je parie que tous ces étirements vont permettre à Pat de bien s'assouplir pour qu'il puisse arroser ses pétunias. En avant, les amis! C'est l'heure de chanter et de faire votre Maxi Gym avec nous. Vérifiez qu'il y a de la place autour de vous. Vous êtes prêts? Oui, je suis un arrosoir. Voyez tous! J'arrose mes fleurs pour qu'elles poussent. Tenez-moi comme ça, l'eau sort par en haut. Quand il faut arroser, faites comme il faut. Penchez-vous comme ça, laissez couler l'eau. Penchez-vous comme ça, laissez couler l'eau. Oui. Et voilà, Pat. Maintenant que tu as fait ta Maxi Gym, tu vas pouvoir arroser tes fleurs très facilement. Bon, je vais voir. Je me penche, je me penche, je me penche. Oh, ben c'est vrai que ces étirements m'ont fait le plus grand bien. Et mes superbes pétunias ont l'air en pleine forme aussi. Ravi d'avoir pu t'aider en te faisant faire de la Maxi Gym, Pat. Merci, mes amis. Et surtout, merci à vous, les enfants. On a réussi. Merci.